Voilà. Bonjour. Alors nous voilà repartis vers la côte. Et pour nous c'est important parce que ça va être la première fois depuis des mois qu'on n'a pas vu la côte en Amérique. L'endroit vers lequel on se dirige, la province, s'appelle la province de la Guajira. C'est une province qui est assez connue, elle est très particulière au plan social, elle est assez pauvre, elle est assez désertique, elle est particulière au plan géographique aussi. Donc la Guajira va désigner tout le nom de la province, et ensuite on va parler des différents points qu'on a vus sur cette péninsule. Alors pourquoi c'était important pour nous, en tout cas un moment clé du voyage de retrouver la mer, simplement parce que ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu. En fait, la dernière fois qu'on avait vu l'océan lors de notre voyage, c'était en Équateur, mais il s'agissait de l'océan Pacifique. L'océan Atlantique, lui, on avait quitté depuis tout simplement qu'on avait quitté Ushuaïa. Et donc, ça a comme particularité que ça nous mène de la pointe sud du continent à l'extrême nord, parce que la Guajira, c'est tout simplement la province qui est la plus au nord, non seulement du pays, la Colombie, mais du continent sud-américain tout entier. On est d'ailleurs à ce moment-là, vous pouvez le vérifier sur un planisphère, légèrement au nord de la plupart des pays d'Amérique centrale. Donc on est tout à fait au nord, et c'est là qu'on se dirige maintenant avec Oscar. Alors on prend pour ça une route. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette route ? D'abord, c'était un effort d'aller à la Guajira. Parce que ça fait pas partie d'un parcours normal. Il faut quand même s'en éloigner du parcours. Ah oui, c'est une boucle. Ça nous, effectivement, c'est. Mais c'est un détour. Moi, j'en attendais quand même beaucoup parce que on nous avait dit toujours par les réseaux de voyageurs que ça valait quand même. C'était très dépaysant parce que on voyait effectivement des populations complètement différentes de celles qu'on avait pu rencontrer jusqu'à présent. Donc, on a fait l'effort d'y aller. Il y a un certain mythe de la Guajira qui, comme tout mythe, a une part de vrai et une part d'exagération. Je pense que les choses changent beaucoup actuellement à la Guajira. C'était effectivement une destination difficile à atteindre, mais qui est en train de virer un peu sa cutie, qui est en train de devenir touristique. Et il y a du bon et du mauvais là-dedans, on va vous expliquer ça. Donc la route est assez longue, on fait escale à une ville, qui est une assez grande ville qui s'appelle Villa du Par. Là on s'est juste arrêté pour la nuit et puis pour profiter des petits restaurants. On s'apprête à aller à la Guajira. Relativement sécurisé. Et en fait il y a un drôle de truc. Voilà, on a acheté tout ça parce que il y a des péages sur la route. En fait il s'avère que c'est une zone très pauvre. Donc on va traverser. Ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous, oui. Ils ont trouvé une solution qui nous semble un peu bizarre. C'est que les gamins, a priori beaucoup d'enfants, on va regarder si c'est vrai ou pas, mettent des fils ou des chaînes à travers la route et constituent des péages. Et donc on est prié de leur apporter, donc on le sait, hein. Des gâteaux, des bonbons, beaucoup de sucreries. Donc nous, on a lu sur internet que c'était pas très bon quand même. De l'eau, a priori ils auraient pas d'eau. Sauf que c'est une catastrophe l'eau ici, puisqu'elle est vendue en toute petite, un tout petit sachet plastique comme ça, qu'on retrouve absolument partout.
ou en bouteille plastique, et c'est pas mieux. Donc on a trouvé ce matin des bouteilles plastiques recyclables, mais pas biodégradables. Donc on se dit que c'est pas mieux. Donc comme on n'avait pas envie d'encourager ce truc, on va quand même passer les péages, mais on a pris que des petites brioches. Ça me semble un moindre mal, c'est pas trop sucré pour les gamins. Ça me paraît avoir pas mal d'avantages, c'est-à-dire que j'espère qu'on pourra donner un petit pain à chaque gamin. Mais si jamais on n'a pas assez, parce qu'on a pris une centaine, si on n'a pas assez, on les redivisera à la main en fait. C'est aussi possible. On appréhendait quand même un peu, parce qu'on se disait quand même, tous ces barrages sur la route, comment est-ce qu'on va gérer ça? Et puis, il s'est avéré qu'on a suivi... Il y avait quelqu'un qui était en panne sur le bord de la route, donc on s'est arrêté, on a demandé si on pouvait les aider. Oui, c'était une très grande route, rectiligne, qui suivait un chemin de fer, parce qu'il y a aussi une dimension industrielle et minière là-dedans. Donc, pendant des kilomètres et des kilomètres, on a suivi cette route, et à un moment donné, on doit faire On doit tourner à gauche. Et là, il y avait quelqu'un en panne, on s'arrête, on lui demande un petit peu si on peut l'aider. On essaye de l'aider, effectivement. Oui, on a essayé de l'aider. Avec le booster de batterie, ça marche. Il est reparti et en fait, il nous a fait signe de le suivre. Et comme c'était quelqu'un du coin et qu'il était habitué, il nous a bien servi, en fait, parce qu'il a passé les barrages sans s'arrêter. Les premiers barrages, ça fait un peu mal au cœur. Parce que ce sont des petits enfants qui tiennent des bouts de ficelle et qui tendent la main. Et le gars devant fonçait. C'est toute la problématique de la mendicité qui est posée ici, mais de surcroît se greffe dessus la problématique du racket. Parce qu'en fait, on est sur une sorte de mélange entre les deux. Par ailleurs, il y a aussi le degré de sérieux de l'opération. Parce que, en fait, il ne faut pas voir ces barrages comme une grosse menace. Souvent, c'est presque un jeu. Mais c'est un jeu un peu pervers, en fait, qu'on n'a pas trop voulu encourager. On ne sait pas du tout, après avoir vécu cet épisode, quelle est la bonne conduite à tenir. On pense que c'est un peu incompréhensible et ça dessert au final la zone, ce système généralisé de petits barrages payants, parce que ça agace un peu tout le monde, y compris les locaux. Parce que j'imagine que même eux-mêmes, les gens qui font ces petits barrages, les familles, elles doivent énerver leurs voisins qui ne le font pas, donc les voisins le font aussi alors qu'ils ne voudraient pas le faire au départ. Donc c'est devenu tout un système, à mon avis, très pervers en fait, pour tout le monde. Qui laisse à penser que la province, en plus, est délaissée par l'État. Et nous, on n'a pas trop les moyens de savoir ça, parce que c'est aussi la problématique de la victimisation. En gros, l'État ne nous aide pas. Ouais, très bien, mais enfin, l'État a quand même construit un petit peu des routes. L'État assure, par exemple, un service d'eau. Qu'est-ce que vous faites en échange, en fait, pour mériter cette aide de l'État? Est-ce que vous êtes plus ou moins méritant que les autres? On a l'impression que c'est juste un rapport de force qui s'exerce. Et puis répondre à leurs besoins, parce qu'ils ne demandent pas n'importe quoi. Hein. Ils demandent des gâteaux, des bonbons. Ben, c'est toute la pollution que ça engendre. Parce que comme tout est sur-emballé, après, c'est la catastrophe. Hein. Alors en plus, il y a le côté anarchique qui s'ajoute à ça, parce que évidemment, s'il était demandé à chaque touriste de payer par exemple un droit d'entrée de 20 ou 50 euros, je dis ça arbitrairement, pour aller à la Guarira et qu'ensuite c'était réparti de manière, on va dire, à peu près transparente et démocratique entre tous les habitants, on n'aurait aucun problème avec ça. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est le plus fort qui cherche à imposer sa loi. Et il n'y a pas non plus de notion de remerciement du tout. Hein. On a l'impression que c'est simplement un rapport de force qui s'exerce, mais au profit de celui qui est assez, en quelque sorte, méchant pour l'organiser, quoi. Alors que d'autres, un peu plus loin, vont être indifférents à l'affaire. Donc ça ne donne pas le sentiment du tout d'être quelque chose de juste vis-à-vis des populations concernées non plus. On ne peut pas tellement passer au travers, c'est la façon qu'on a d'entrer, en fait. C'est comme une porte d'entrée. Alors c'est pas une porte, en l'occurrence, il y en a des dizaines de barrages. Oui, c'est ça, c'est que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que c'est tous les 100 mètres. Ça devient presque comique. parfois même moins que ça, parfois ça va être 10 ou 20 mètres. On a fini par arriver quand même. Et puis de toute manière, ni nous,
on a très peu d'expérience, mais ni les locaux qui sont confrontés aux problèmes, je dirais de manière quotidienne, ne savons très bien comment faire. Mais les locaux, enfin ceux qui, les demi-locaux, on va dire, par exemple les Colombiens qui viennent de la ville voisine et qui veulent aller à Cabo de la Vela sont les premiers concernés parce qu'ils vivent ça, je sais pas, une fois par semaine ou une fois par mois. Donc, de toute manière, personne ne donne à tout le monde, ça c'est certain. Certains donnent parfois, certains donnent pas du tout, enfin c'est l'anarchie. Enfin, on a quand même fini par arriver à Cabo de la Vela. Ouais. C'était une étape obligatoire de toute façon, puisqu'il fallait qu'on y passe la nuit pour trouver un tour opérateur qui nous permette d'aller un peu plus loin dans la Guajira. Cabo de la Vela, c'est un drôle de monde un peu coupé en deux. Il y a un village qui est le village d'origine, où les locaux, bon, alors, comme dans, partout, hein, il y en a qui sont plus ou moins sympathiques, mais dans l'ensemble, ils ne sont pas forcément très souriants. Et ils semblent, voir le tourisme avec un œil quand même assez négatif. J'ai l'impression qu'il y a une certaine opposition qui s'est créée. Mais c'est aussi lié au fait que le village est un peu coupé en deux et que à l'extrémité un peu externe, plus au nord, il y a une sorte de camp où il y a énormément de gens qui font beaucoup de windsurfing. Et les prix sont plus élevés là-bas. Donc c'est comme s'il y avait un village double, le village d'origine et le village purement touristique où il n'y a pratiquement plus que des Occidentaux d'ailleurs qui sont présents. Donc le mariage n'est pas fait de manière très homogène. C'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement. Mais par contre, il y a quand même une base géographique qui est belle parce que la Cabo de la Vela, c'est une très grande plage. Donc là, c'est vrai que c'est un très gros contraste avec le reste du pays. En plus, c'est très particulier comme zone. On avait négocié un tour. Alors, ce tour, il est assez classique. Il consiste à aller tout à fait au nord du continent. Parce qu'à Cabo de la Vela, on est à quelques encablures, mais on n'est pas encore tout à fait au nord. Or, pour y aller, il n'y a plus vraiment de piste. Donc, c'est hors piste obligatoire, 4x4 obligatoire. On a hésité un peu à le faire avec Oscar. On s'est posé la question. Et finalement, a posteriori, on est très content de l'avoir fait avec un tour opérateur parce qu'on ne serait pas passé avec Oscar. C'est trop difficile pour nos capacités motrices. Et on a voulu trouver un tour opérateur local. Donc, comme on s'était arrêté dans une petite auberge pour passer la nuit sur leur petit parking, on est parti avec eux. On n'a pas été très content, pour être honnête, de l'ensemble du tour opérateur. Ça tenait surtout à la personnalité du chauffeur qui n'était pas très aimable, ouais. Qui fonçait comme une brute sans se préoccuper du tout de tout ce qu'il y avait autour de lui. Mais on a traversé donc des paysages qui étaient quand même des paysages très particuliers et très beaux. On est parti à deux voitures, on est parti donc avec notre chauffeur et il y avait un couple de Colombiens, de jeunes, qui eux venaient avec leur voiture mais suivaient notre guide. Et ils ont dû s'accrocher parce que le guide allant à fond, ils ont réussi à tenir le rythme. On a beaucoup rigolé par moments quand même. Ouais. Alors on a commencé par longer la mer, comme on était parti très tôt, on a eu un lever de soleil sur la mer. Et puis la géographie est ainsi faite qu'on doit rouler parfois sur des sortes de salines qui sont vraiment très proches en termes de niveau de la mer, et il y a des croûtes de sel et on sent qu'il suffirait que la marée monte un petit peu pour qu'on passe dans l'eau. Donc on doit passer assez vite sur des endroits où l'embourbement serait un gros risque. Donc ça c'est assez intéressant du point de vue de la conduite en 4x4 et du franchissement. Ce qui était quand même bien dans cette excursion, le chauffeur n'était pas sympa, mais on était que avec des jeunes. Et c'était vraiment une bonne équipe quand même. Ouais, c'était une bonne équipe. On a bien rigolé. On a fait plus ample connaissance parce qu'en partant à 5h du matin, quand même un peu tous dans le coltard, et ils nous arrêtent à un moment prendre un petit déjeuner. Donc c'est là qu'on commence à créer des liens, et ensuite on reprend la route et on s'arrête pour faire une pause parce qu'il y a des dunes. Ces dunes sont assez connues, elles font partie du tour parce qu'on peut faire du sandboarding dessus. C'est-à-dire qu'on descend comme sur une luge, simplement la dune jusqu'à la mer. Donc voilà, on s'est plié à l'exercice. Ouais, j'avais un peu des regrets de ne pas l'avoir fait à Huacachina.
Là, ça me paraissait moins dur quand même parce que là, c'était moins haut. Les gamins m'ont un peu poussé en disant « Allez, vas-y, ah, bah, je me suis lancée. » Et on a quand même pris un petit peu de temps. Voilà. Mais ça fait pas peur ce soir. Et puis, on pouvait se baigner immédiatement. Donc ça, c'était, ouais. C'était bien agréable aussi. Compte tenu de la chaleur. Parce qu'il faisait chaud quand même, là. Ouais. Et après, on était un peu tombé sur un faux rythme. On n'avait aucune information de la part du chauffeur. Donc, on n'a pas très bien compris quel était le programme. Mais on a fini par repartir. Et le but, c'était d'aller, cette fois, tout à fait à l'extrémité nord. Je me répète, mais c'était bien ça, le point du continent qui s'appelle Punta Galinas. Et juste à côté, il y a un phare. Donc, c'est une sorte de double arrêt. On voit le phare d'un côté, on va voir la mer et les rochers qui sont là au point clé qui est le point le plus au nord. Et puis ensuite on est rentré, puisqu'on avait, c'est une excursion qui ne peut pas se faire sur une seule journée, ce serait trop court. Donc on avait passé la nuit sur place, c'est même pas un village, enfin un ensemble juste, de bâtiments. Oui, juste un hôtel. Hein. Ah si, il y a quelques maisons locales tout près de là, ce petit campement, on peut marcher. En une demi-heure, on est à une plage sur laquelle on peut passer et voir le coucher de soleil. Se baigner aussi. Et là, en faisant la marche, on s'est un peu perdu. Mais ça nous a permis de voir des super jolies sauterelles. Oui, c'est un endroit qui est, à mon avis, qui subit d'ailleurs quelques infestations de criquets à l'occasion. Et donc, on a vu les bestiaux de près. Ils sont assez beaux, en fait, et assez impressionnants par leur taille. Le lendemain matin, on est reparti à 5h du matin. On n'a pas très bien compris pourquoi, parce qu'on est rentré, mais à fond, mais qu'on a pris des risques, vraiment. On s'est arrêté pendant un petit déjeuner dans un petit boui-boui. Ouais, et puis c'était un peu sale, enfin, ça manquait totalement de charme. Les chauffeurs, ils sont aussi obligés de gérer ces fameux péages en permanence, hein, tous les jours. Donc on voit qu'il y a des moments où ils sont excédés, quoi, mais ils donnent. Alors même qu'ils sont locaux, eux, encore une fois, c'est pas du tout clair. On n'a vraiment pas l'impression que ce sont les plus démunis ou les plus gentils ou les plus normaux qui profitent du système. Il y en a quelques-uns qui sont agressifs et qui établissent un rapport de force à leur avantage. Donc ça nous a donné une mauvaise impression dans l'ensemble. L'avantage d'être rentré tôt, c'est que du coup, on a eu un petit peu de temps là pour rester à Cabo de la Vela un tout petit peu. Ah, c'était bien, on s'est baigné parce qu'il faisait super chaud. Et aussi, on a refait la route donc pour revenir entre guillemets vers la civilisation sur un mode relativement cool et ça nous a permis de voir les villages qui sont un peu à l'extérieur de Cabo de la Vela. Avec une très belle lumière, je me souviens de ces plans de drone là qu'on a fait pour quitter la région de Guajira. C'était parmi les plus beaux, j'ai trouvé. En fait, visuellement, on a eu un bel impact. Et ça résume peut-être l'épisode de vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on a une impression, je dirais mi-figue mi-raisin de la Guajira, de cet épisode. C'est par certains côtés très beau, très très dur, enfin très beau, dans le genre de ce qu'il peut y avoir de beau dans un désert, c'est-à-dire c'est une sorte de beauté minérale frappante, forte. Et au-delà, il y a aussi ce côté de saleté, d'abandon, d'anarchie, je dirais, et une certaine incompréhension mutuelle, j'ai l'impression, de l'industrie touristique et des locaux. On n'a pas l'impression que pour l'instant la mayonnaise est tellement prise, quoi. Enfin, cette grande sortie à la Guajira s'achève là et c'était pour nous le dernier gros morceau qui définissait notre itinéraire par rapport à la remontée générale qu'on fait vers le port de Cartagène pour ensuite shipper Oscar vers l'Amérique centrale. On a intégré cette sortie à la Guajira par rapport à une date de shipping qui se précisait. Et on sort de la Guajira à un peu moins d'une semaine, on va dire, avant la date à laquelle on devait se retrouver à Cartagène. On va prendre le temps de remonter vers Cartagène tranquillement, en s'arrêtant encore à deux ou trois étapes qu'on va vous décrire la semaine prochaine. Voilà. Bonne semaine. Allez, au revoir. Au revoir.